Bonjour à tous. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai une scrap copinette qui m'a demandé de lui expliquer certaines cartes qu'elle a vues sur internet mais qu'elle n'arrive pas à refaire. Elle avait besoin d'explications, donc je lui avais donné des liens. Je ne les avais trouvés qu'en anglais et elle a regardé les vidéos et elle n'arrive pas à comprendre plus. Donc elle m'a demandé de lui faire simplement moi. Donc je ne sais pas si ça vous conviendra à vous, mais en tout cas je vais essayer de vous expliquer. Donc là je suis sur la deuxième chose qu'elle m'a demandé. C'est une... attendez, je regarde mon papier parce que je l'ai écrit, c'est un mot en anglais. Je n'ai pas trouvé d'explication en français. Donc ça s'appelle une square folding card. C'est une carte qui se plie, qui ne prend pas trop de place, et puis quand on l'ouvre, elle se déploie, et ça fait un effet waouh. Donc je vais essayer de la faire avec vous et on va voir ce que ça donne. On va basculer sur les mains et on va essayer de faire ça ensemble. Donc on va prendre un papier de 24 sur 24. Donc là pour l'instant moi c'est un papier A3. Donc on va le découper. Et on a dit 24 sur 24. C'est le bazar un peu partout dans ma salle de scrap. J'ai plusieurs tutos en cours. Et je fais en fonction des urgences. Et quand je suis un peu fatiguée, je reprends sur des tutos un peu plus simples. Ce qui fait que... interactions, ce qui fait que j'en ai partout. Donc 24 sur 24. Voilà, moi je garde mes chutes, on sait jamais. Ensuite, on va faire des plis à cette carte. Donc, on lui fait un pli à 6. À 12. Et à 18. 6, 12, 18. Ce qui fait que vous avez 4 parties égales de 6 cm chacune. Ensuite, on va tourner la feuille d'un quart de tour. On va refaire des plis à 6, à 12. Et à 18. 6, 12, 18, comme sur l'autre côté, mais de ce côté-ci. Donc au total, on va avoir 16 carrés de 6 sur 6. Ensuite, on va enlever la planche de rainurage. Pour que ce soit un peu moins dur que le plan de travail. Ensuite, on va tracer un autre pli. Alors, vous avez sur les 16 carrés, vous en avez donc ceux du tour et vous en avez 4 au milieu. Ces 4-là, on va faire des plis dedans. Le premier pli va être sur le carré qui se trouve en haut à droite. Je parle en haut à droite des 4 carrés, hein, pas celui-ci, vraiment dans le centre. Donc en haut à droite, on lui fait un pli dans ce sens-là. Ce que je vais le faire directement. Je vais d'abord le faire au stylo et ensuite je vous le ferai. Donc le premier pli, on le fait dans ce sens là. Ah, mon stylo n'a pas été jusqu'au bout. Voilà. Là. Peut-être relever un tout petit peu. Voilà. Donc je parle de ces 4 carrés là. Celui qui se trouve ici, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Maintenant, on va passer à celui-ci et on va tracer un trait qui part d'ici
et qui va arriver ici. On reprend la règle et on trace. Alors vous pouvez le faire directement en plioir. Moi je le fais au stylo en premier, c'est pour vous faire voir. Donc, ça vous donne pour l'instant ceci. Ensuite on va passer à celui-ci, on va tracer un pli d'ici, comme ça en diagonale, qui va arriver ici en bas. Excusez-moi, j'ai mon téléphone, une notification YouTube. Donc, on a ça. Et maintenant, on va prendre celui d'en haut et on va partir de ce point-là et on va arriver à ce point-là. Ce qui va nous faire un losange au milieu de la carte. Donc, en haut, vous avez quatre carrés qui ne sont pas pris. Ensuite, vous avez un carré de libre, les deux carrés du haut du losange, un carré de libre. Pareil sur la dernière ligne et les quatre carrés d'en bas sont libres aussi. Donc, on marque les plis sur ces quatre carrés-là. Voilà, on arrive comme ceci. Ensuite, on va plier la carte. Alors, on va plier en accordéon dans les deux sens. Et on va faire des montagnes et des vallées, puisqu'on va plier un coup dans un sens, un coup dans l'autre, puisque c'est un accordéon. Donc, le premier pli, on va le plier en montagne, c'est-à-dire que on le plie vers l'arrière de la carte. On le plie et on marque le pli. Ensuite, en le laissant plier, on rabat vers l'intérieur de la carte. On a un pli qui s'appelle en vallée. Et le dernier pli, on le rabat vers l'arrière de la carte. Ça nous fait donc un deuxième pli en montagne. Et donc, vous avez le M comme ceci. Le premier pli en montagne, le deuxième pli en vallée et le troisième pli en montagne. On rabat la carte à plat. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Le premier pli, on le plie vers l'arrière. On a un premier pli en montagne. Le deuxième pli, on le plie vers l'avant pour le pli en vallée. Et le troisième pli vers l'arrière, on a un autre pli en montagne. Montagne, vallée, montagne. Alors, donc pour le pliage, une fois qu'on a marqué tous les plis, on monte cette partie-là en faisant le pli du losange intérieur. Donc on le plie comme ceci. On le rabat. Ensuite, on plie. Donc, on le rabat, mais on ne marque pas le pli ici. Là, il faut surtout pas marquer le pli. Ensuite, on rabat sur, en rabattant en fait cette partie-là, là qui est debout. On va la rabattre. On plie ici le pli du losange du milieu. On fait pareil ici. On plie le pli du losange du milieu. Et on vient faire pareil ici et on rabat
Et on a chaque partie en fait qui est pliée dessous, là, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, et ainsi de suite. Un peu comme quand on ferme un carton en croisant les quatre côtés. Donc voilà, je vous refais voir. Donc, on monte une partie. On monte la deuxième en rabattant cette partie-là ici. On la rabat là. Hop, on a plié donc à ce niveau-là. Ensuite, on fait pareil, on rabat celle-ci. On plie l'autre partie du losange. Et ensuite, on rabat celle-là en rabattant celle-ci ici. Et ensuite, on rabat celle-ci en bas. Je vais essayer de me mettre un peu plus dans le champ parce qu'en pliant, vous n'avez pas vu le bas. Donc, je monte celle-ci comme ceci. Je rabats celle-ci et donc ça plie ici. Je rabats celle-ci, ça vient plier ici. Je rabats celle-ci, donc ça plie ici. Et après, je rabats cette partie-là. Et on a notre carte. Et quand on l'ouvre, ça donne ça. Donc c'est un petit peu... Il faut le faire plusieurs fois pour se dire que ça marche. Hein, parce que c'est vrai que c'est pas... Vous voyez, quand on appuie ici sur le pli du losange, ça a tendance à vouloir se rabattre comme ceci, cette partie-là. Donc on vient la rabattre. On plie l'autre, on rabat. Hop. Et à chaque fois qu'on rabat un côté, ça replie celle du milieu. Hop. Et hop. Voilà. Donc à l'arrière, vous avez cette forme-là. Donc ça, c'est le losange qui a été formé. Et là, c'est les quatre côtés qui sont rabattus, en fait. Et sur le devant, ça fait comme ça. Hop, attendez. Là. Elles sont vraiment les unes au-dessus des autres. Celle-ci est au-dessus de celle-ci, qui est au-dessus de celle-ci, qui est au-dessus de celle-ci, et ainsi de suite, jusqu'au bout. Donc voilà, pour faire les décorations de cette carte-là, au milieu, le losange. Donc, le papier décor qui va être ici, ce sera un papier... Je vais changer de stylo parce que celui-là ne veut pas marcher. Donc, ce sera un papier de 8 sur 8. Ensuite, il faudra des petits carrés, donc de 6 cm au total. Donc, on va les mettre à 5, ça fait un demi de chaque côté, ça fait un petit peu beaucoup, je trouve. Donc, 5,4 fois 5,4. Donc, sur tous les carrés, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ça, il en faut 12 pour ce côté-ci. Et il va falloir des demi-carrés. Donc vous reprenez deux carrés supplémentaires. Donc plus 2. De 5,4 sur 5,4. Et vous les coupez dans la diagonale pour venir les mettre ici. Donc voilà, pour ce côté-ci, et pour l'autre côté, c'est pareil. Donc moi, ici, cette partie du losange, je ne vais pas la décorer, puisque moi, elle sera collée dans mon album. Et vous, si vous voulez le mettre en carte, eh bien, vous n'avez pas besoin de... Enfin, vous pouvez très bien le décorer en dessous ou pas, c'est comme vous voulez. Après, si c'est pour faire une carte... Vous pouvez mettre ici un papier uni de couleur très claire, de façon à pouvoir écrire votre texte dessus, sur ce petit losange-là. Donc voilà, qui deviendra un carré, parce que vous mettrez la carte dans ce sens-là, en fait. Voilà, donc on a fait le tour de cette carte, qui, je reprends, s'appelle en anglais la Square Folding Card. Donc moi, avec mon niveau d'anglais, je le comprendrai en disant que c'est une carte pliante... Donc, carré, puisque square folding, ouais, je mettrai une carte pliante carré. Donc, je pense que c'est comme ça que je vais l'intituler en titre de vidéo, la carte pliante carré. Donc, avec un effet pop-up qui est quand même assez waouh.
Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Je viens de refaire un deuxième exemplaire, mais de la Square Folding Carte, donc la carte pliante carrée. J'ai fait directement sur un papier du bloc que j'utilise pour mon album New York. Et en fait, je ne vais pas m'amuser à prendre la carte que j'ai faite précédemment dans la vidéo et ensuite mater ce qu'il faudrait faire. Mais moi, j'ai décidé de la faire comme ça. Donc, j'ai pris un papier du bloc, je l'ai découpé à la bonne taille. Et donc, je ne la mate pas puisqu'elle est déjà matée. La seule chose que j'ai fait, je vous fais voir de plus près. J'ai passé à la Distress Oxide Vintage Photo toutes les arêtes ici, mais également toutes les arêtes qui se voient en fait, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ce sont les arêtes qui se voient quand on la replie, la carte. Voilà. Là, on les voit ici sur les plis des cartes. Là. Ici, je dis pas de bêtises, non, ici. Et la dernière, ici au milieu. C'était juste un petit rajout pour vous faire voir l'exemplaire une fois fini que je mettrai dans mon album. Je vous remercie. Au revoir.